Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de relax partie 3 de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors le premier défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors pour établir la liaison, vous avez encore blindé d'emplacement possible à rejoindre pour le faire, le défi. Donc il y a un emplacement qui se trouve ici au-dessus de Borg Genesi, un autre en dessous de Borg Genesi, près du petit lac. Alors ensuite, il y a Greasy Groove, juste ici. Il y en a un autre, juste ici. Alors ensuite, il y a Logjam, enfin Logjam Lotus. Donc il y en a un qui se trouve juste ici, un autre qui se trouve ici. Alors ensuite, il y a Connect Crossword, juste ici. Ensuite, juste ici. Et un autre, un dernier emplacement, juste ici. Donc moi, je vais aller à celui qui se trouve au-dessus de Borg Genesi, juste ici. Donc c'est parti, let's go. Et normalement, quand je vais m'y approcher, il y aura le petit logo de réseau, enfin de la liaison qui va apparaître. Ok, donc il est juste ici à droite, il vient d'apparaître. Et il est juste en dessous de moi. Donc pour établir la liaison, vous aurez juste à passer sur le dispositif que vous voyez en bleu. Et comme ça, vous terminerez la première étape. Ensuite, le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de Star Wars. Alors, pour obtenir des armes de Star Wars, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver le vaisseau de Dark Vador. En fait, il spawn aléatoirement dans la map, donc je vais vous montrer comment le repérer. Donc déjà, quand vous allez arriver dans le bus, vous avez de grandes chances de le voir passer à côté de vous. Donc là, je le vois pas. Ah si, il est là, regardez, il est juste là. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre ce vaisseau, et il va se placer aléatoirement sur la map. Donc là, je le suis, ok, il est en train de plonger. Quand il va atterrir à un emplacement, vous allez voir qu'il y a un rayon lumineux bleu qui va indiquer sa présence. Donc regardez, voilà, là il s'est posé normalement, voilà, et vous voyez un rayon lumineux bleu qui indique sa présence. Donc vous allez devoir trouver ce rayon lumineux pour qui indique l'emplacement du vaisseau. Et ensuite, il vous faudra obtenir des armes pour tuer Dark Vador ou alors les Stormtroopers qui sont à côté de Dark Vador. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'obtenir une arme. Puis ensuite, je vais tuer les gardes de Dark Vador et récupérer leurs armes. Après, vous pouvez aussi récupérer le sabre laser de Dark Vador pour obtenir son arme et réaliser le défi. Donc il y a tout simplement des fusils de Star Trooper et le sabre laser de Dark Vador qui vont vous permettre de réaliser le défi. Donc là, j'ai pas d'arme. Je suis un peu dans la merde. Ok, donc là, il y a une arme par terre. Je pense que c'est justement une arme de Star Wars. Donc oui, effectivement. Mince. Oulala, ça c'est chaud. Ok, donc l'arme s'appelle le Fusil Blaster E11. Et grâce à cette arme, vous allez pouvoir réaliser le défi. Donc regardez, vous allez devoir infliger 500 de dégâts avec cette arme pour terminer le défi. Donc là, je suis mort directement. Mais vous pouvez voir que dans mon défi, relax, il est marqué infliger des dégâts à des adversaires avec une arme de Star Wars. J'ai infligé 90 de dégâts. Donc vous allez devoir infliger 500 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir la liaison, vous avez encore plusieurs emplacements. Donc il y a deux emplacements en Greasy Groove. Donc un ici et un ici. Il y a un autre emplacement au Logjam Lotus. Donc ici, un autre plus en haut, ici. Voilà, exactement. Donc là, juste en dessous de moi, il y a déjà la liaison que je vais aller. Ensuite, il y a Connect Crossword, juste ici. Ensuite, il y en a un autre là et un autre là. Ensuite, il y a Borg Genesi, donc ici et ici. Donc moi, je vais aller à Greasy Groove, juste ici, regardez, on peut voir qu'il y a le petit logo de la liaison. Donc c'est parti, let's go. Il est à côté gauche de la maison, à côté droite de la route. Donc ce que vous allez faire, c'est comme d'habitude, passer sur la liaison
donc le petit logo bleu, pour établir la liaison et terminer la première étape du défi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un personnage là? Ah, il y a carrément un personnage. Donc là, hop, vous passez sur les liaisons et vous terminez la première étape du défi. Ensuite, le prochain défi va vous demander de poser des dispositifs d'écoute aux quais d'amirage impériaux. Alors, les quais d'amirage d'impériaux, vous en avez plusieurs. Il y en a 5 au total. Je vais vous montrer les emplacements. Il y en a un qui se trouve juste ici. Voilà, là où il y a de la terre. Il y en a un autre qui se trouve juste ici. Il y en a un autre qui se trouve en plein milieu, juste ici. Et il y en a un dernier qui se... deux derniers qui se trouvent ici. On est en train de me tirer dessus, c'est le bordel. Et il y en a un autre qui se trouve juste ici. Donc voilà, vous allez devoir vous rendre à l'un de ces emplacements, à trois de ces emplacements, et ensuite mettre un dispositif d'écoute. Donc regardez, là je vais aller à l'emplacement que je vous ai dit qui était à côté de Crazy Groove. Donc juste ici sur le gameplay. Et je vais poser un dispositif d'écoute. Donc le point d'exclamation est juste là, voilà, parfait. Donc je place le dispositif d'écoute et ensuite je vais à un autre emplacement. Donc je vais essayer d'esquiver ce gros ouf là. Voilà. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est placer ce dispositif d'écoute à trois emplacements que je vous ai montré en début de vidéo. Dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'établir une liaison avec l'appareil. Alors, pour établir la liaison avec l'appareil, vous avez encore plusieurs emplacements. Donc, vous avez trois emplacements à Corner Crossworld. Donc, un ici et un ici. Vous avez deux emplacements à Logjam Lotus, comme d'habitude, un ici. Vous avez deux emplacements à Crazy Groove, comme d'habitude aussi, ici et ici. Vous avez deux emplacements à Bourg Genesis aussi, comme d'habitude, un ici et un ici. Donc moi, je me suis placé à Connect Crossworld. Donc normalement, il y a un appareil de liaison qui est juste là au bout du pont. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à l'emplacement comme d'habitude et passer sur le dispositif pour établir la liaison et terminer la première étape du défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de battre Dark Vador. Alors, pour trouver Dark Vador, c'est très simple. Il va falloir attendre que vous soyez dans le bus et je vais vous montrer comment le repérer. Ok, donc quand vous êtes dans le bus, vous pouvez essayer de repérer un vaisseau. Parfois, il passe à côté de vous. Donc là, regardez, il est juste là-bas. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre ce vaisseau et atterrir là où il atterrit. Il y a possible... il peut atterrir à 5 emplacements bien précis. Mais de toute façon, vous regardez, hein, quand vous sautez du bus, vous regardez. Parce que quand il atterrit, il va émettre un rayon bleu. Voilà, un rayon bleu lumineux, comme ça, pour vous montrer où il se trouve. Donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est de prendre une arme. Essayer de choper une arme quelque part. Et ensuite de tuer Dark Vador. Donc Dark Vador, on peut le voir, il est juste là. Est-ce que je vais réussir à le pinguer? Non, j'arrive pas à le pinguer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas y aller directement. Je vais d'abord me loot, chercher après des armes. Et ensuite, je vais rejoindre les autres et essayer de le tuer. Ok, donc regardez, la vie du Dark Vador est en train de diminuer à fond. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'il diminue encore plus. Et ensuite, dès qu'il lui reste plus beaucoup de vie, ben là, vous le tuez. Essayez de tuer les autres adversaires qui sont à côté. Pour pas qu'il vous gêne. À la limite, prendre un véhicule pour essayer de le tuer, ça peut être pas mal. Oh là là, oh là là. Je suis dans la merde. Ouais, je suis dans la merde. Mais voilà, ça va être une tâche un peu compliquée. Mais voilà, vous pouvez essayer plusieurs fois, essayer plusieurs techniques, essayer plusieurs armes. Je pense que ça ne doit pas être trop compliqué si vous tryhardez assez bien. Normalement, vous devriez le tuer assez facilement. Et dès que vous l'aurez tué, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis Relax Partie 3 de Fortnite Saison 3 Chapitre 3. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.